Et de retour sur Grand Theft Auto Online. Bienvenue à vous. Alors ici, dans cet épisode, on va pour le moment clôturer notre aventure avec Blue. Et à mon habitude, je vous demanderai de ne pas oublier de laisser un j'aime, un like pour m'aider à référencer ces vidéos. Et si ce n'est encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne bleue d'azur et à activer la petite fée clochette si vous le désirez. Vous pouvez librement commenter ces vidéos sur la plateforme YouTube et partager le contenu de cette chaîne sur vos réseaux sociaux. D'avance, je vous en remercie. Alors, on retrouve Blue en train de dormir sur un sofa dans sa boîte de nuit. Il semble très agité. Est-ce qu'il fait des cauchemars? Des rêves? Blue, réveille-toi. Tu dors. Et la popularité de ta boîte de nuit est en train de s'effondrer. Alors, comme je l'ai détaillé lors de la dernière vidéo, j'ai trouvé une astuce de la force pour ne pas être déconnecté du serveur. Le jeu tourne ainsi depuis plusieurs heures, plus d'une heure, facile. Et donc, mes commerces ont continué à se développer d'eux-mêmes. Vous voyez, le coffre-fort commence à crever un petit peu le plafond, au détriment de la popularité de la boîte de nuit. C'est un petit détail. Si vous désirez savoir comment j'ai fait, allez regarder le début de la dernière vidéo. Vous découvrirez avec Blue. Je ferai bien sûr incessamment sous peu, puisque l'aventure de Blue se mettra en pause à partir de cet épisode. On reviendra bien sûr avec lui, mais entre en scène Diva. Diva, qui sera publiée sur une chaîne secondaire qui s'appelle Diva GTA. Je vous invite, à tous ceux qui aiment ces let's play, à venir consulter les contenus qui seront ajoutés sur cette chaîne et qui seront faits avec le compte secondaire de GTA. Et ce personnage que vous connaissez déjà, que je vous représenterai en fin d'épisode, qui est Diva, l'une des meilleures amies de Blue. Cette chaîne avec Diva sera essentiellement consacrée à des aides de jeu, des guides et des tutoriels. Et surtout du montage de vidéos. Par la suite, on fera une espèce de let's play, roleplay avec Diva. Je sens qu'on va bien s'amuser. Évidemment, la chaîne Blue Azure continue son périple. Et cela sur d'autres let's play que je me dois de terminer. Et pour aussi ainsi laisser la place à de nouveaux let's play qui viendront s'y ajouter. Que du fun en perspective. Allez, toi là-bas, toi, au fond de la salle, va réveiller Blue. Il a un réveil difficile, des fois il est un peu violent. Toi, vas-y, toi, non? Toi?
Oui, toi là-bas. Là, tu vas le réveiller. Alors, vous savez que j'ai beaucoup eu d'humour, hein, évidemment. On se retrouve donc avec Blue dans sa boîte de nuit. Notre célèbre multimillionnaire a accumulé plus de 5 millions de dollars. Et je viens de m'apercevoir que j'étais resté sur une session publique. On a un joueur de niveau 8. Ça m'étonnerait qu'il nous pose le quelconque problème. Mais on va rapidement passer en session sur invitation. Les 249 000 dollars que vous voyez sont la somme de mon dernier retrait dans le coffre-fort. En laissant le jeu tourner sans être déconnecté toutes les 13 minutes, on s'est fait 466 500 dollars sans rien faire. Ma console tournait, l'écran était éteint, et moi, je vaquais à mes occupations. Et pendant ce temps-là, j'encaisse la thune. C'est chouette, n'est-ce pas? Comme astuce de la force. Ah oui, l'agence d'aide aux vedettes, bien sûr, son coffre se remplit lui aussi de 42 500 dollars. On va jeter rapidement un œil. Pour la vente de biens, on est à 634 000 dollars. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que l'on va bien pouvoir faire, vous allez me demander. Eh bien, c'est simple, déjà, dans un premier temps, on va placer tout cet argent en sécurité sur le compte. Mais ça, c'est une chose qu'il faut avoir l'habitude de faire. Voilà, on est à 5 700 000. Ça monte, et ce n'est pas une petite bébête. On va sortir, vous connaissez ma technique, et si vous avez suivi ce let's play avec moi, la fameuse technique qui me permet de passer le moins de temps possible avec cette histoire de popularité de boîte de nuit qui commence à assommer Blue. Ah oui. Ils sont plus nombreux finalement. Il y a tout un tas de messages qui nous arrivent. Vu que l'on était AFK. Donc, on fera une petite vidéo, un montage avec Diva. Oh, un petit bonhomme. Désolé, Marcel, je veux plus m'occuper des VIP. Je commence à les détester, ces personnages. Oh, je ne les supporte plus. Et sur la chaîne Diva GTA, la première vidéo sera justement un petit tutoriel sur comment bien commencer le jeu. Et aussi comment faire du dollar en restant AFK. Vous verrez cette vidéo arriver dans les prochains jours, selon bien sûr les disponibilités de Diva. Oh, encore un VIP, non, hors de question. Il est parti faire la sieste. Oui, bon, bah c'est pas grave qu'il dorme. Ma technique consiste à entrer et sortir de la boîte de nuit. D'un côté comme de l'autre.
et d'attendre que Marcel passe un certain point, comme vous pouvez le voir dans la boîte de nuit, quand j'arrive ici, voilà. Salut boss, un de nos meilleurs clients s'est un peu trop amusé, il s'évanouit dans le carré VIP. Non. Non, amène-le à l'hôpital, Marcel. Moi, hors de question que je passe 10-15 minutes à rouler à 90 miles par heure. Parce que monsieur va tout dégobiller partout sur la banquette en cuir de la voiture attribuée à la boîte de nuit, qui est une voiture que l'on déteste, une Benefactor. Bon, faut dire qu'on a le Roadster. Qu'est-ce que voulez-vous que Blue fasse avec une voiture d'aussi mauvaise qualité? Salut boss, on a un client qui chipote sur son addition. Ça, c'est pour Blue, c'est un point et plus un petit bonhomme. On va au bar du bas. On va lui indiquer la sortie avec Marcel, vous allez voir. Marcel a des façons de traiter les clients que Blue aime bien. Alors oui, on a un nouveau DJ dans la boîte de nuit, Dixon. Et je me suis dit qu'il serait temps d'aller chercher la Madone, la Black Madone. Allez, t'en connais bien, tu dégages. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant celui-là. Et la popularité de la boîte de nuit est à présent à son maximum. Voilà. On va pouvoir encaisser le maximum d'argent avec la boîte de nuit. Et bien que je n'en sois pas persuadé, s'il n'y a pas de petits bonhommes ou de points qui apparaissent sur la carte de la boîte de nuit, c'est que la popularité est à son maximum. On va pouvoir vérifier ça. Et d'ailleurs, j'y pense. Moi, je vais pas rester en session publique. Ok. Alors, oui, The Black Madonna. On va l'engager. Ça nous fera découvrir un petit peu tout ça ensemble. On est à la boîte de nuit. Ok. On charge une session sur invitation. Prêt. Décollage. Ah, il fait encore un temps exécrable dehors. Il pleut, il y a du brouillard. C'est vraiment le temps idéal pour faire des missions, ça. Génial. Bon, c'est pas grave. Blue se sent très courageux. Aujourd'hui, il a bien dormi. Allez. On va l'engager pour 100 000 dollars. On a du fric. Pas de problème. Voilà, c'est de ce véhicule que je parlais. Ah, il y a un problème avec la LSPD. Meet me at the helipad at Puerto del Sol and all will be revealed. On doit aller à l'héliport de Puerto quoi? Oh, c'est juste ici. J'ai cru qu'ils allaient encore nous emmener. Oh, le soleil est revenu, c'est bien. Oui, alors le Benefactor Shafter V12, qui est une voiture sportive, est quand même une bonne voiture. C'est juste que moi je l'aime pas. Qui c'est qui a laissé son oppresseur ici, là? Blue? Allons. Ça, c'est un coup à te le faire exploser, hein. Tu connais les joueurs en session publique, ils aiment pas trop ce genre de d'exubérance, de technologie et de richesse déployée devant leurs yeux.
et s'amusent beaucoup à les détruire. Alors, j'ai bien l'impression qu'on va au-delà de gros ennuis. Jamais j'ai vu qu'il y avait une porte qui s'ouvrait ici. On découvre de nouvelles choses chaque jour. Alors, le pistolet calibre 50... Le pistolet est performant. Alors, j'ai vu que la DP de combat était un fusil... puissant. On va s'en armer et moi je vais me permettre de mettre un petit peu de son sur la télé. Voilà, c'est fait. Donc comme ça, ça me permettra d'entendre les balles siffler quand ils se mettront à nous tirer dessus. Parce que je crois que cet enfant prodige. Et encore un enfant a un problème. Ça n'étonne pas beaucoup Blue. La moitié des habitants de cette ville sont complètement tarés. Et quand je dis la moitié... l'entrée est là-bas. C'est que Blue est multimillionnaire, ça fait bien longtemps qu'il ne va plus à l'héliport. Il a son hangar. Ah oui, eh ben, on emmène la rambarde avec nous. La barricade, allez, on l'emmène avec nous. On doit monter maintenant dans le cargo Bob. Vous croyez qu'il va nous laisser monter tranquillement celui-là? C'est notre pote, on l'a pas reconnu. J'ai failli lui tirer dessus. Now fly us out there, chief. Ouais. Like her namesake, the Black Madonna is prone to spontaneous acts of generosity. Bless. Like throwing a free party for some of the less privileged inhabitants of the state. And what is charity to you and me is an illegal rave to the fascists in charge. She's in a spot of bother and we're gonna pull her out. Capiche? Lovely stuff. All right, we're closing in. Let me get her on the blower. Ça ne sert à rien de hurler, on a un casque. This is not good, Dave. The bastards are taking me in. Hold on, Maria, hold on. I thought you was having a conversation. The conversation is over, Dave. I have got to go. Shit. Okay, we'll see what we can do. You hear that? We can't have that. If we don't get there sharpish, she'll be playing live from Bolingbroke. Not the palace. Shit. Look! Look! They've pinched her! They're putting her in the back of that black and white! Fascists! Fascists! Fuck the LSPD! Blooming, eh? Steady on, Maria! There's a cargo hook on the bottom of this thing! Let's hook her up and get the whole bloody cruiser out of there! Oh, je sens que ça va mal se passer. Get hold of that cop car! Laquelle? Celle-là, là. Ah oui, c'est celle-là. Okay, job's a good one. Let's lose these knocks. Madge, Maria, you're on speaker again. Hey, so are you. Don't drop me, Dave.
What the hell is going on? You know there's a cop in the car with me? We got a cop on board? You're doing my head in, Maria. This is not very zen. Tell your associates to put us down. This has absolutely nothing to do with me, officer. I don't like this! Hold that fall. Shit, a brick. What are we gonna do about this cop? I knew I should have renewed my green card. Let's just lose these bastards and forget about their little buddy down below. Visualize a problem, make it disappear. That's what Guru taught me. They're off our back. Thank fuck for that. Now take us back to the Puerto. I'm gonna check with the cargo. Matt, how you doing down there? Well, I've been swinging around in a police cruiser, suspended thousands of feet over the streets of Los Santos. How do you think I'm feeling? As long as this cop doesn't throw up on me, I'll be okay. Help me! To be honest, he isn't taking this very well. Tell him it'll all be over very soon, one way or another. Settle down, all right? Nice and easy. Oh, le bordel! Oh, c'est terrible! Come on, Raver. Let's go and impress the talent. I mean, I am the talent. Well, we all are. I mean, that's the point, isn't it? You know, I'm writing a book about philosophy. You see, I've got this huge core of love. It's just embalmed in ego. Maria! Hello, Dave. It's been a long time. Too long. Far too long. Oh, I'm sober now, by the way. So I won't piss myself, if that's what you're worried about. I'm on a spiritual path now. Shouldn't we be going? Good idea. We'll just let the boss do the driving. No more flying. Aside from the astral super highway. Peace and love. You're under arrest! Kill him! Calm down, Dave. He does not need killing. Poor little fellow. You're under arrest! And you've lost your gun. Yes, I have, but... Forgive me. One love. Exactly. Now, let's get to the disco. Génial. Can't believe you assaulted a police officer, Maria. Only after you kidnapped him, Dave. All right. It's not a competition. Calm yourself, love. There's enough bad karma in the universe for a lot of us. My karma's just fine, okay? He was a scumbag. Ha! Too right. Is this the club owner? It is indeed. Club owner, heli pilot, getaway driver, chauffeur, music curator. That's the lot. Just don't ask for a massage or an insightful chat into the human soul. Thanks for picking me up. I'm excited to play you some records. So are they, even though they got a funny way of showing it. Hey, I hope this nonsense with the busies hasn't bummed you out. Los Santos is a cool town, and good times is what they're after. Positive vibes, the inclusive power of a banging dance track. You know me, Dave. That's what I'm all about. And here we are, your new home. Okay, thanks for the ride. If the cops show up, tell them I went back to the Midwest. Oh, there are a lot of things, but loose-lipped ain't one of them. Let's start this party. Bon, cette mission était relativement simple. Ouais, désolé. Allez, je sens que cette vidéo va encore avoir des droits d'auteur, mais on va activer les sons. Oui, j'ai désactivé les sons à cause des droits d'auteur. Mais allons-y, soyons fous.
Maslow est là, lui aussi. Ouais, c'est sympa comme musique, on aime bien. J'adore ce jeu vidéo. La boîte de nuit est remplie. Elle est pleine à craquer. Toute action va nous rapporter des points au niveau de la popularité. On fait une pierre deux coups. Qui vient de s'afficher sur la carte. On a le t-shirt The Black Madonna étoilé de débloquer. C'est parfait. Elle a un éventail. Cool. C'est quand même vachement bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Alors, bien sûr, on a choisi ici de baisser la luminosité de la pièce et de faire en sorte que les vitres
ce soit opaque. Laszlo, descends de ce podium. Je n'ai pas embauché de jolies jeunes filles pour danser, pour que tu prennes leur place. Toi, Laszlo. Je ne fais que des conneries. Bon, c'est parfait. C'est vraiment très bien. Allez, nous, on va se rendre au sous-sol. Je remets la musique en mute. Je coupe le son. Oui, on a 650 000 dollars là qui nous attendent tranquillos. Gentiment. Je me demande si je ferais pas mieux de faire une mission. Bon, on se retrouve dans le garage des débouchés. Avec toute la collection qu'on a commencé à faire. Moi, je vais avoir besoin de jeter un œil sur le labo d'acide. Où est-ce qu'il va apparaître? Il appelle ici. Il est à l'extérieur? Non. À l'intérieur. Alors, ce véhicule champion, on l'a acheté pour une somme folle. Mais il faut savoir que c'est un véhicule que l'on peut armer. Donc, il est très utile. Oui, vous voyez, il y avait une mitrailleuse. Je l'ai passé. Voilà. Bah, on peut tirer sur les gens qui nous emmerdent. C'est ce qu'on aime avec ce véhicule. Et en plus, il est blindé. Superbe voiture que l'on s'est acheté. On s'est fait plaisir dans ce let's play. On ne s'est rien interdit. On a débloqué strictement toutes les options de jeu. Oh, d'accord. Il va nous manquer. Ok, on est sur le serveur de SecuroServe. Nous, on va avoir besoin de marchandises. Et dans cette vidéo, je vais vous passer les missions soporifiques des autres commerces. Apparently, a Humane Labs van carrying toxic chemicals tipped over and it's a real fucking mess. Soon as I heard toxic chemicals, I was like, cha-ching, sign me up, bitch. The cleanup's going on right now. Cops aren't even allowed there yet because of the fumes. Just one box of those chemicals will keep us on schedule. I say we join the cleanup effort and steal one. Ok, on doit rejoindre le lieu de l'accident. Le lieu de l'accident... forcément, ouais, il est au milieu du désert. Elle a dit quoi, la nana? Oh, bah... Désolé, Miss, mais t'es bonne pour un petit séjour à l'hôpital. Si c'est pas carrément la morgue, il fallait pas emmerder Blue.
Ok. Allez, on va s'en sortir un petit peu mieux. Et on va prendre bien sûr l'oppressor pour se rendre au milieu du désert. Hors de question qu'on perde du temps en voiture. Bien qu'on en apprécie énormément les véhicules que l'on a pu acquérir tout au long de ces épisodes. Et on a d'autres collections bien sûr à faire. Ainsi que d'autres armes. Des avions, des hélicos, des yachts de luxe. On a encore énormément de choses à voir dans le jeu. Aussi, comme ils disent, ce n'est qu'un au revoir. C'est si poétique. Oui, Blue aime bien la poésie. Alors, on est encore loin du lieu de l'accident. De toute manière, les matières toxiques, on les voit à l'horizon. Là, on va reprendre encore un petit peu d'altitude. On arrive sur place. Moi, je tire du missile. Il est en train de se sauver. Ok. Bon, on va te laisser tranquille alors si tu te sauves. Bon. Ils ont eu leur compte. Voilà. Oui. On a compris le truc depuis. Cette mitrailleuse là, allons voyons. Et ici, on peut prendre tout un équipement de protection. Voilà, on se sent beaucoup mieux maintenant. Et ça ne nous empêche pas qu'il faut quand même qu'on fasse attention. Ah oui. Aux flaques toxiques. Et c'était quoi ça? Il y avait un hélicoptère dans leur armement. Ok, bah tant pis pour eux. Allez, il n'y a plus qu'à retourner au labo d'acide. Vous avez un. Voilà, vous l'avez mérité. Je sais pas qui vous étiez, mais bien fait pour vous. Alors les produits toxiques sont vraiment toxiques. Il faut vite les rapporter. Ça devrait pas poser de risque. Mais si on commence à sentir un peu bizarre, il vaut mieux qu'on se dépêche. Surtout que cette fois-ci, avec le labo d'acide, on s'est réellement placé dans le sud de la carte.
Et c'est aussi un petit peu pour voir comment le jeu génère la difficulté. Mais je dois dire que là, au niveau distance, il nous a pas épargné. Quel petit coquin. On va passer beaucoup plus de temps exposé à ces produits chimiques. J'espère que ce n'aura pas d'incidence sur les organes reproducteurs de Blue. Peut-être qu'il veut avoir des enfants. Ça m'étonnerait. Mais bon, on ne sait pas. Allez, on fonce. Et il y a toujours cette bande de clochards là qui nous suivent partout. Pour se venger parce qu'on a tué tous leurs copains. Bah ouais, mais en même temps, ils étaient méchants. On les aimait pas du tout. Allez, allons livrer tout ça à Mute. La salle d'arcade contient 90 000 dollars. Waouh. Cette astuce de la force est vraiment pratique. Hell yeah, we got some free supplies. Mute. You breathed in some free fumes, but if it doesn't kill you, it'll make you higher. Mute. You know what I mean? Mute, je suis derrière toi, juste là. Ah, c'est incroyable. Alors, on garderait bien cette combinaison, ne serait-ce que pour le fun. On a déjà activé l'accélération de la production d'acide. Et moi, je ne vais pas vous infliger une autre mission avec Mute. Il a suffisamment de ressources pour ces expérimentations, quelles qu'elles soient. En tout cas, moi je vous déconseille ces produits. Hein. Vous avez vu ce qu'il met dedans? C'est moche. Allez, arrêtons un petit peu nos sottises, on va aller vendre ce fameux stock. Qui est dans la boîte de nuit. Ouf. Eh bien, Blue se sent pas très en forme. Encore un petit bonhomme. Ah oui, il s'est évanoui. Très bien. Dans le carré VIP. Ouais, bon, écoute, ça reste son problème. Après tout, c'est pas pour rien que ton t'as embauché Marcel, tu devrais gérer tout ça.
Ouais, 650 000, moi ça me plaît bien. On va faire cette mission, je pense. Avec le petit ou le grand camion, je sais pas. Le petit. So, you really want to make the sale, right? Because the drop-off routes have been leaked and you're likely to get jumped somewhere along the way. I admire your perseverance, kid. Good luck. Quoi? Qu'est-ce que Tony vient de dire? Apparemment, on va rencontrer sur la route des gens pas très gentils. Oui, je suis désolé, je... Blue est un peu étourdi. C'est pas vrai, mais... Vous êtes pas censé non plus tout savoir dans les coulisses. C'est vrai que aujourd'hui je manque un petit peu de sommeil. Et que l'heure pour moi d'aller me reposer arrive à grands pas. Je crois d'ailleurs qu'elle est déjà là. Elle est déjà passée l'heure. Mais j'avais... Enfin, ça me tenait à cœur d'arriver au moins à la 50e vidéo sur ce let's play. Je trouve que déjà là, c'est un let's play assez honorable. Et bien sûr, on va continuer à faire des dizaines de vidéos sur ce jeu. Particulièrement en plus, s'il continue à mettre du contenu à jour. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a la deuxième partie du scénario. Ouh là là. De Dax à faire. Qui est à venir. Donc il y a de quoi se marrer encore. Ah. Oui, oui. D'accord. Oui, bon, écoutez, faut vous calmer, hein. On nous avait prévenu. C'est bon, madame, c'est bon. Tout danger est écarté. Ok, première livraison. Elle est faite. Qui sont qu'ils ont enterré ici? Cette fille regorge de mystère. Tous, elle est plus ou moins glauque. Blue, ne tire pas sur tout le monde! Trop tard. Et voilà, tout le monde est en panique et ils crient tous en cœur en levant les bras au ciel en disant ah, ah. Oui, c'est comme ça que on survit. Ah, LS. Mais ça semble être une véritable mode pour eux. On doit aller où là? La ville. Bon, il y a en jeu un demi-million de dollars, nous, ça va nous faire passer à 6 millions de dollars. Et c'est justement le but inavoué de Blue, c'est de faire en sorte que Diva puisse, elle, s'en sortir correctement dans cette ville de fou, quand il sera à son tour d'entrer en scène. Par ici, hein, qu'il faut aller.
Allez, et si on se concentre bien, c'est un véhicule avec lequel on peut aller assez vite. Bon, faut quand même que je regarde sur le plan où on nous emmène. Oui, bah je vais regarder mon téléphone. Oh là là. La peinture est à peine rayée. Ah oui, c'est normal, hein, s'ils crient et qu'ils courent dans tous les sens, c'est qu'ils ont vu la tourelle rotative. Le loup. Ah, ils aiment pas trop ça, les gens. Oh merde. T'es où mon garçon? Oh, il a volé comme Superman. Sans cap et sans client. Bon, les personnages dont joueurs, je vous laisse régler vos problèmes ensemble. Si vous voulez vous écraser. Ah oui, très original. Écrasez-vous. Arrête de semer la terreur partout comme ça! Tu fais peur aux gens! What? What ça, hein? Ok, alors, cette fois-ci, on a un trajet assez complexe. On a moins d'attaques, mais le trajet est beaucoup plus long. Oh là là. Oui, quel enfer. Non, je t'appelle Blue. Oh, qu'est-ce que je vois? Ah non, alors là, je peux pas passer à côté. Que je peux faire ce genre de choses. Il est où le camion? Le gun van. C'est le gun van. Ça tombe super bien. J'ai quelque chose à vous dire. Un méchant programmeur arrête pas de faire des conneries sur mon jeu vidéo. Regardez, ils m'ont encore mis les lance-roquettes à zéro. Alors que je les avais toutes, j'en suis sûr. Et mon fusil à impulsion, il est vide. Ah, puis donc, bah, c'est bon, ça j'ai déjà. C'est à dire que. Ah non, ça on l'a déjà. Là, oui. Oui. Ah, je me sens beaucoup plus en sécurité à présent. Il a pas d'autres cartouches à me proposer, non? Non. Et qu'est-ce qu'il a d'autre à me proposer, mis à part GDSA, le pistolet vintage, j'en veux pas. La mitrailleuse, je l'ai aussi. Le j'ai tout ce que tu me proposes, garçon. Ah bah voilà. Au moins, comme ça, les joueurs dans le jeu. En session publique, vont nous foutre la paix. Ça, c'est sûr. Allez. Oui. Je suis sûr que ça va déboucher sur un piège.
Ah voilà, on a mis tout le monde d'accord. C'est ma cargaison. Nickel, on a pu quitter la zone. Je crains ce qui... Oui, on était trop loin d'une route adaptée. Ouais. Et ces cadavres partout, ils sont adaptés à la route. Quel mauvais humour, Blue. Ok, maintenant. Je m'assurerai d'avoir... Oui, l'oppresseur. Regarde, Blue, le bordel que t'as foutu. C'est pas décent, tout ça. Ah, et cette fois-ci, le mécano ne nous a pas livré l'oppresseur sur l'île suivante. Oh là là, je suis encore tout étourdi, moi. Alors, on doit quitter cette zone pour empocher. Voilà. La part de Tony pour le blanchiment d'argent est de plus de 65 000 $. Donc on empoche 585 000 $. Okay, you made the sale. We finally got currency to run through the tills at this place. All anyone drinks nowadays is bottled fucking water. The profits minus the laundering fee will be in your account soon. Parfait. Oui, on a passé la barre des 6 millions de dollars. C'est une très bonne chose. Nous, on va en profiter avec Blue pour aller faire un petit détour ici. À cet entrepôt. Car, comme vous le savez, on alterne entre ce premier entrepôt de 16 caisses et l'autre qui est, je crois, de 44 caisses. Celui-ci n'est pas encore complètement rempli. Alors, on va envoyer Loop pour aller faire le boulot. Elle a déjà ramassé tout ça, vous voyez. À peu de frais, c'est très bien. Et pour terminer, on est à 6 200 000 $. On va se diriger vers l'autre entrepôt qui lui est plein à craquer. On a plein de petites missions aussi que je vous ai pas fait voir. Il y a aussi toute la série des braquages, bien sûr, que l'on va préparer par la suite en montage vidéo. On a encore beaucoup de projets pour ce jeu. La fois dernière, on s'était refait une décoration au niveau de l'entreprise. Super ultra chic, faut dire. Ok, oui, j'avais vérifié de toute manière la fois dernière. Ouais, il faut que je vous montre. Regardez toutes ces caisses. Tout est rempli à ras-bord. On peut d'ailleurs le savoir si on se dirige vers l'employé. Son option est grisée. On ne peut plus interagir avec lui. Et on a un message qui nous indique que notre entrepôt est plein. Alors cette fois-ci, la vente, 735 000 $. C'est pas mal. Il n'y a plus qu'à espérer que la mission sera clémente. Okay, you ready to move on this? The buyer is waiting for the drop-off. Once the goods are there, the money gets transferred. Alors, c'est l'une des missions les moins faciles. On nous demande de nous rendre à l'aéroport et de monter dans un avion.
Et on voit livraison 0 sur 3. C'est bien la première fois que je vois cette mission. Et on a 3 avions qui semblent nous attendre. Eh bien, allons-y. Ah, le premier est là. Il n'y a pas de personnel autour. Ok. Ça m'évitera de voir les menacer. Blue ne plaisante pas. Il se méfie toujours de la police et des agents du FIB en civil. Allez, un petit effort. On doit simplement livrer la marchandise au point de livraison, c'est ça? Le temps est à peu près clément. Le vent de face, c'est quelque chose. Mais ça devrait rester maîtrisable. J'ai l'impression qu'on va nous emmener loin dans le désert. Oui, à l'aéroport en plus. C'est dangereux ce que je viens de faire, hein, de lâcher le manche du pilotage de l'avion pour consulter la carte. Blue ne fait pas ce genre de choses quand tu es tout seul à piloter. Tu sais comment ça peut se terminer, hein? Très mal. Et là, on a donc 3 livraisons à faire, et je sais pas. Mais je crois que si on en foire une, et ben les deux autres caisses retournent à l'entrepôt et la mission est un échec total. Bon, on va pas se porter malheur non plus. Surtout que on devrait y arriver. Alors, on va avoir le droit à quoi? Une petite mission tranquille. Des hélicos qui vont venir nous tirer dessus. Il semblerait pas. Il s'agit bien d'une livraison classique qu'on doit effectuer. J'ai du mal à y croire. Ça peut être aussi simple. Vraiment. Il n'y aura pas de piège. La secrétaire n'a pas prévu de nous rappeler pour nous dire « Oh, au fait, il va falloir livrer sur un point ultra dangereux. » Ah, il faut poser l'avion. Ça, c'est une difficulté. Enfin, tout du moins, quand on a commencé le jeu, c'en était une. Ah, on a un comité d'accueil qui nous attend. C'est super. Et on voit rien du tout avec cette fumée. Oh là 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 là. Ok, bon, moi je m'en doutais. Cette bande de clochards vont prendre cher. Venez, venez, venez. Je suis là. J'ai garé l'avion exprès plus loin pour que vous puissiez pas le détruire. J'arrive. J'ai 25 minutes pour ce style de mission. C'est largement suffisant. Quoique je me suis peut-être garé un peu loin. Attendez, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je cours? Oh, la visibilité est nulle. Et je vois pas mes ennemis. Là, je devrais les voir. Oui, oui.
Qu'est-ce que... D'accord. Ah oui, damn it. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une véritable malédiction qui tombe dessus. Ah, ça fait mal, hein. Les gros coups de pistolet mitrailleur laser, ça fait super mal. C'est l'une de mes armes les plus puissantes. Mais... Vous allez venir, oui. Ah, c'est là. C'est bon. Vous avez pris... votre avance. C'était qui? C'était des gangs du Lost, les garçons perdus? Une équipe de Meriwether? On n'a même pas essayé de comprendre à qui on s'attaquait. Ouais, c'était les Lost. Pauvre, pauvre garçon perdu. Cette fois-ci, ils sont vraiment perdus. Allez, moi je retourne à mon avion et je vais tranquillement rouler jusqu'au point de livraison. Sans trop m'inquiéter, sachant que les deux autres points de livraison... devrait se dérouler soit un peu mieux, soit un peu plus pire. C'est le tonnerre hein, que j'entends au loin. Ah non, mais je veux pas être passager. Tout ce que je veux, c'est atteindre le point là-bas. Voilà. Et d'un livret. Parfait. Ouais, la visibilité commence à se faire rare. Ça va ajouter une certaine difficulté au jeu. Pendant un moment, j'ai cru que c'était d'autres ennemis qui arrivaient. Il a failli se prendre des cartouches. Allez, comme vous avez pu voir, c'est une mission que l'on peut faire si on est bien équipé, par exemple, avec un oppresseur. Tout seul. Comme un grand. Je renvoie le labo d'acide. Il a plus rien à faire à l'extérieur du freak shop. C'est une petite habitude que je prends, sachant que quand on est en mode public, je pense que les joueurs doivent essayer d'attaquer notre laboratoire mobile. Alors,
Là, bah oui, il va falloir retourner gentiment et sagement. Sur l'aéroport. Processeur est entre 60 et 65%, l'enregistrement. Et ok, la vidéo, le son, le micro, tout est ok. Je vérifie parce que j'ai de nombreuses fois eu des surprises, notamment à cause de Windows Update, qui s'update quand il faut pas. Et d'ailleurs, j'ai bien pris soin de le désactiver, le logiciel. La con de Monsieur Porte. Dont on va connaître d'ailleurs les implications dans certaines histoires qui, à mon avis, vont vous surprendre. Cet homme, qui dans la vie IRL est multimilliardaire, le temps passe. Je pense, dans l'avenir, de tout plein. Il a déjà perdu ça. Et que quand on fait le touriste sur des îles, aux enfants, que sa femme la prend, et oui, ça se passe mal à la maison. Enfin, vous devez peut-être ne pas comprendre ce que je dis avec ce monsieur Porte, à moins que vous ayez un anglais correct, auquel cas vous devez bien rigoler si vous avez compris de quoi je parlais. Et dans le cas contraire, vous devez pas rigoler du tout, car vous avez marché dans le plan et vous êtes fait avoir. Et du coup... ça doit pas vous faire rire tout ça. Et vous devez avoir une partie de la mâchoire, pas qu'une dent, contre ce monsieur Porte. Si vous comprenez pas, laissez tomber. Des fois, Blue me raconte des trucs, les gens pensent qu'il divague. Mais moi, je pense qu'il a raison. Il a raison de parler, de pas se taire. Il a raison de dire non et de refuser. Alors, cette fois-ci, on va prendre le pas normal. Est-ce qu'on va avoir, comme tout à l'heure, un accueil chaleureux ou c'en est fini de ces garçons perdus? Risque, pas casser l'avion, pas casser. Deuxième avion, en 5 minutes, où on s'améliore. On rappelle l'oppresseur, on regarde derrière, comme ça on est sûr qu'il va apparaître devant. Oh la technique, la technique. On connaît pratiquement toutes les astuces de la force de ce jeu. On est bien content. Et rebelote. Il est vrai que si on avait une équipe avec nous pour faire ces livraisons, ça irait beaucoup plus vite. Ce serait bien plus agréable. Et c'est pour ça que je me permets de vous inviter dans ce jeu. Vous nous retrouverez sur le Social Club. En tant que la team Blue Sky Azure.
Tout est dans la description de cette vidéo. Si vous voulez nous rejoindre pour que l'on puisse jouer en ligne. Et pourquoi pas tourner des let's play ensemble. Vous êtes évidemment les bienvenus. Je joue à l'heure actuelle sur PlayStation 4 et dans l'année on va pouvoir migrer le compte PlayStation 4 sur la PlayStation 5. Donc à mon avis on n'en a pas encore fini avec le let's play sur ce jeu gigantesque. Et j'espère voir de nouvelles fonctionnalités, peut-être de nouveaux contenus additionnels, de nouveaux DLC apparaître prochainement aussi au cours de l'année. Ils ont annoncé un GTA Online 2. Alors ça je vais voir. Franchement. Et bien sûr, tout le monde attend depuis des années le fameux GTA 6. Alors, on n'est pas encore prêt de sortir des let's play Grand Theft Auto. Il y en a beaucoup qui vont arriver, je pense, dans un avenir proche. Et ces Cuban 800 commencent à m'énerver. Moi, je pensais qu'on pouvait livrer aussi avec l'hélicoptère que l'on sait acheter. Si en commentaire, vous savez comment on fait pour changer de véhicule lors des livraisons d'entreprise, pour ne plus avoir à utiliser des véhicules à la con comme ça. Et si on peut faire des livraisons comme je fais, hein, ici même. Avec par exemple l'Annihilator, dites-moi en commentaire si c'est possible. Moi je pense que c'est surtout le fait de quand on va justement chercher des marchandises pour remplir les magasins de stock. Je pense surtout que c'est l'annihilateur peut servir à transporter des personnages pour ramasser en fait en équipe les différentes marchandises pour ensuite les rapatrier dans le hangar, entrepôt, vous m'aurez compris. Allez, j'arrête de discuter, je vais essayer de me concentrer un petit peu sur le vol. La lune nous éclaire. Le temps est pas si merdique que ça. C'est bien. Redresse Blue, redresse, ne t'endors pas, ne t'endors pas. Et pilote dans un avion. Ce serait dommage que tu t'écrases ici. Eh, tout le monde va se foutre de ta gueule. Ici. Ici, quand tu te craches, les gens ils rigolent bien. Ça les fait marrer. Pas que j'en fasse exprès, mais. C'est vrai que c'est drôle. Quelqu'un échoué. Quand on a surtout soi-même échoué de nombreuses fois, on se dit « Oh, on n'est pas les seuls à trouver ça ultra dur. » Et oui, quand même, des fois, c'est pas simple. On a livré toutes les marchandises spéciales. On empoche 735 000 dollars. Alors, qui a dit que c'était pas rentable? Hein? Quoi, Blue? Non, moi j'ai rien dit. Très bien. Et ben, on est quand même assez fiers de nous. Et. D'accord, tout revient normalement.
on démissionne de notre statut de président directeur général. On n'a pas envie de se faire agresser encore et attaquer nos commerces. Oui, on a plus de 5000 dollars sur nous. Ah oui. Et oui, c'est plus de 5000. On va verser ça à nos actifs, 737 000. Oh, pas mal, pas mal du tout. Vraiment, vraiment sympa. Blue, tu entends ce que j'entends? Ça fait flipper quand même. Quoi? C'est des coyotes. Ils sont gentils? Ah, non, ils mangent des gens. D'accord. Bon, pas traîner ici alors. Alors, ce que je vous propose de faire pour arrondir un petit peu les sommes, c'est d'appeler Franck. Yo, what you need? On veut un contrat. Alright, shit, let me make a few calls. Par téléphone. En espérant que cette fois-ci on puisse bénéficier du bonus. Oui. Il est où ce téléphone? Ah, il est là. I will give you this target's name, but I know you haven't heard it before. He ain't even famous yet. But shit, he about to be. Some sick degenerate trust fund kid who fucks up people's lives for fun. He spiked girl drinks, done hit and runs, assaults, man, you name it. And then he paid his way out of all that shit. And now he wanna do some reputation management so he can buy his way into being the next big pop star. He got a label and a song that's all paid and bought for. He got an ad space and social media campaign ready to fucking go. He's all set to scoop a number one single when it drops next week. Now, I know what you're thinking. Another manufactured pop star. So what? Who cares? Well, our client works at the record label, and he got some nice intel. The label sunk everything they got into this little son of a bitch. And if he has an accident, not only will the world be a better place, but the label fixing to go bankrupt. And our client just bet against them big. So look, we make the stock crash, our clients get some zeros added onto their bank account, and we get a slice of the motherfucking pie. Now let's go put this little evil motherfucker in the wrong kind of headlines. A slice of the fucking pie. Comprendre morceau du gâteau, comme c'est traduit. Ou une part de la tarte aux pommes, j'imagine. Alors, on doit l'assassiner. Pour gagner un petit extra, prends un de ces gros tracteurs routiers et fonce-lui dedans. Ah ouais, je sens qu'on va bien se marrer. Et ils sont où tes tracteurs routiers? Et il est où ton client? Ah oui, un tracteur remorqueur. Ok. On va se rapprocher de la cible. Les tracteurs remorqueurs sont dans le sud de l'île. Généralement. Alors, il va falloir faire un petit peu de trajet. Imani a découvert l'emplacement du véhicule dont j'aurais besoin pour le bonus. Franklin a mis à jour le GPS. Franklin, quand je suis sur l'oppresseur, regarder sur le GPS de mon téléphone, c'est un peu risqué quand même. Bah oui. Allez, on fonce. Ah, c'est où? Lequel? Eh ben voilà, celui-là.
Bouge. C'est comme ça qu'on se fait braquer. Ouais, laisse. Ok, où est-ce que je dois aller maintenant? Petit con, il va où? Il va tourner, il va pas tourner. Qu'est-ce qu'il passe? Oh là là. Ok, coudez-moi. Non, non, ne bouge pas trop, ne bouge pas trop. Blue va être obligé de t'écraser. Oh là là. Non, il nous faut l'intercepter, il va... Mais c'est quoi ce panache de merde? Il va beaucoup trop vite. Il va s'engager, non... Me dis pas qu'il va sur le freeway. Il est devant nous. Ah oui, apparemment. Oui, le voilà. Ah ouais, mec, c'est la flippe, hein. Ça t'apprendra à faire autant de mal aux gens. Oui, là, on t'aime pas du tout et on n'aime pas ta musique. Bon, je crois qu'il faut lui rentrer quand même dedans un nombre incalculable de fois avant que... Moi, qu'il crève, quoi. Blue, t'as fait n'importe quoi. Comment est-ce qu'on va le rattraper maintenant? Comment ça? C'est pas ton problème. Mais si, tu vois bien que c'est ton problème. Ah non, toi, il faut que tu te pousses. Non, toi aussi, tu dois te pousser. Non, 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 moi j'ai un camion, toi t'as une voiture, moi qui gagne. Non, non, il a rien à voir avec ça. Poussez-vous là. Poussez-vous, voilà, voilà. Non. Oh bah, commotion cérébrale pour elle. Il a bougé? Il a bougé? Il a bougé ou il est toujours... au même endroit, il est bloqué. Bloqué le véhicule. Ah non, il est là. Ah, ah, tu conduis très très mal. Cette fois. Ah, avec le camion, c'est autre chose. Hein. Oh, ça y est. Et bon, sursaut de survie. Voilà qui fonce comme un dératé. Blue est à cette rousse. Qui va gagner entre la petite voiture de course et le gros camion. Suspense est à son comble. Et il nous fait faire le tour du parking. Elle est vraiment esquintée. Et là, il y a une bande de policiers en uniforme qui ont l'air d'en avoir rien à foutre de ce mec-là. Ils doivent le connaître. Ah, ils viendront pas à ton aide, hein. T'es dans la merde.
que je vois avec le pistolet. Merde. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Oh, on a raté le bonus. Oh bah non, celui qui a zardé par tous les flics de l'aéroport. Bon. Dernière chance. Si tu peux te sauver. Oui, oui, on peut rentrer dans la boîte de nuit. On est sauf. Ouh, tant pis. Eh bah, on atteindra en off d'autres sommes, je pense, faramineuses. On est pas loin des 7 millions. Le million. Et oh, on a un petit point cette fois. Un mec qui s'est transformé en zombie. Verk. I'll catch you soon. Allez, il est temps pour moi de vous dire au revoir. De vous souhaiter une bonne continuation. Et de vous inviter, bien sûr, sur la chaîne Diva. GTA. Pour la suite des aventures de Blue et de Diva cette fois. Et en attendant, prenez soin de vous, de vos proches et de vos aimés. Attention à vous. Moi, je vous dis au revoir.